Voici Raoul. Raoul est un grain de sable, et voici son histoire. Alors initialement, j'avais prévu de vous emmener dans plein d'endroits hyper cool comme ça, ça ou ça. Ah non, pas ça. Mais comme cette vidéo est tournée pendant le confinement, et ben on va faire avec les moyens du bord, et finalement je trouve ça encore mieux. Donc en route Milou, on va à la plage. Super, il y a même les embruns. Donc, vous vous demandez qui est Raoul? Si, si, vous vous le demandez. Raoul est quelconque. Raoul est plusieurs. Raoul est multiple. En fait, Raoul n'est pas défini par sa nature, mais par sa taille. Il mesure entre 1/16 de millimètre et 2 mm de large. Donc le sable, ça peut être des miettes de n'importe quoi. Raoul est plusieurs. C'est pour ça qu'on a une telle diversité de Raoul sur Terre, même si la plupart ressemblent à ça. Et ça, là, c'est... Et là, et ça, là... Have you ever had a dream? C'est Glass Beach, en Californie. Ce sable, il est assez particulier puisqu'il est d'origine humaine. Il a été créé par des années de déversement sauvage d'ordures sur la côte. Les vagues et le ressac de la mer ont cassé et fragmenté les bouteilles de verre qu'il y avait parmi les déchets, ce qui a engendré ce sable très spécial constitué de bouts de verre. Nous sommes en terre. Maintenant, il y a plein de touristes qui viennent sur cette plage pour admirer ces restes de décharges à ciel ouvert, érodés par les vagues. C'est très instagrammable. Et ce qui est drôle, c'est que le verre à la base, il est obtenu en fondant du sable. Donc en fait, cette plage, c'est du sable devenu verre, redevenu sable. On peut même avoir des petites surprises dans le sable. Certains raoûls de rivière contiennent de l'or, c'est ce qu'on appelle des placères aurifères. À ce sujet, j'ai une anecdote à vous raconter. C'est une histoire assez insolite. Dans les montagnes du nord de la Géorgie, une ethnie, les Svans, pratique l'orpaillage dans les rivières du Caucase. Depuis toujours, ils utilisent des toisons de moutons qu'ils fixent dans les cours d'eau pour récolter les paillettes d'or qui s'y trouvent en abondance. Les paillettes se fixent dans la laine, tandis que le reste des minéraux poursuit son chemin dans la rivière. Selon certains, cette pratique serait à l'origine du mythe de Jason et de la toison d'or. Et comme le Raoul est très poreux, c'est aussi un bon réservoir à pétrole ou à gaz naturel dans certains rares cas, et quand il est enfoui en profondeur. Pardon, je reviens tout de suite. Bonjour, vous auriez 5 minutes pour parler de la méthode scientifique ? Désolée, c'était des esthéticiens. Donc, j'en étais où? Tout ce qui compte au final, c'est comment on passe de ça à ça. Tout commence quand Raoul était encore une roche. Seulement, Raoul s'est fait éroder sa race. Il a subi la pluie, le vent, les vagues, les racines des plantes, l'intégrale des reprises de Michel Sardou par les Kids United, les glaciers, le gel et le chaud froid entre le jour et la nuit. Ces différences de température ont dilaté et contracté Raoul qui a fini par éclater, comme mon petit cœur quand j'ai appris qu'il n'y aurait pas de saison 52 à la série Friends. Pourtant, les scénaristes étaient vraiment toujours aussi bons. L'eau, cette petite vicieuse, s'est glissée dans les interstices de la roche. La nuit, l'eau gèle à l'intérieur de la roche, elle se dilate puisque l'eau gagne 10% de son volume quand elle devient un glaçon, appuie sur les parois de part et d'autre et effrite la roche, ou plutôt elle la désagrège, comme notre espoir d'un avenir meilleur dans une société capitaliste. Les morceaux seront d'abord grossiers, puis de plus en plus petits. Donc si on prend l'exemple du granit, il se fait éroder en forme de boule. On obtient donc un chaos granitique, ou parfois un dôme, comme le pain de sucre de Rio de Janeiro, avec à son pied du sable, le produit de cette érosion. Finalement, l'eau, c'est un peu comme la main géante de la Providence qui vient gratter le granit et en détache tous les petits minéraux. Du coup, le sable sera constitué des mêmes minéraux que le granit. Quartz, feldspath et mica. Pour le granit, ce phénomène d'érosion s'appelle l'arénisation. Et ce sable-là, c'est une arène. En latin, arena, ça signifie sable. Ça a tout à voir avec les arènes des Romains et des Férias, et rien à voir avec les araignées. Bien sûr, ce processus d'érosion, il se fait pas d'un claquement de doigts, hein. Ça prend plusieurs milliers, voire millions d'années. Mais c'est pas tout! Si notre Raoul est dans le désert, il va se faire violenter par le vent et il finira tout rond, tout lisse et émoussé à force d'avoir été frappé contre ses petits copains. Mais partout ailleurs, la torture de Raoul n'est pas finie. Il va pas rester là tranquille à se pogner le beigne, l'eau va l'attaquer. Elle est comme ça. Petite peste. C'est pour ça que moi vivante, aucune molécule d'eau ne me touchera, ni en dehors ni en dedans. L'eau va transporter Raoul dans des rivières jusqu'à la mer, mais elle va pas se contenter de faire le taxi. Elle dissout certains minéraux, ce qui explique la composition de l'eau minérale d'ailleurs. L'eau s'est chargée en minéraux en traversant la roche, et nous on la boit et on se transforme en bébé joufflu. Enfin, j'ai pas tout compris. Ça explique aussi pourquoi la mer est salée. Les minéraux, en morceaux, donc les éléments chimiques qui les constituent, sont charriés par les rivières et arrivent dans la mer qui, elle, s'évapore beaucoup. Les éléments chimiques, eux, vont rester en bas, et du coup ils vont se concentrer avec une majorité de sodium et de chlore qui, une fois qu'on les combine, nous donnent du sel. Au final, la mer est 500 fois plus salée que l'eau douce. Mais c'est pas tout.
Pour les minéraux qui ne sont pas solubles dans l'eau, la petite peste n'a pas dit son dernier mot. Alors, elle les transforme. On dit qu'elle les altère. En gros, ils deviennent d'autres minéraux au gré des réactions chimiques. Le plus souvent, des argiles ou de la rouille, c'est-à-dire des oxydes de fer. Mais du coup, c'est plus du sable. C'est des particules trop petites pour être considérées comme du sable et elles seront balayées par la prochaine pluie ou la prochaine vague, quoi. Ici, par exemple, on voit comment évolue un genre de granit. Au fil du temps, certains minéraux ne bougent pas ou presque, alors que d'autres vont disparaître, comme Dupont de Ligonnès, et d'autres encore apparaissent, nés de l'altération des précédents, comme Dupont de Ligonnès en Écosse après sa chirurgie esthétique. On a même un joli diagramme. Le géologue raffole des diagrammes. Si vous lancez du rein, apportez-lui un saucisson et un diagramme. Donc ce diagramme nous dit quels minéraux vont morfler en premier et lesquels craignent des gains. L'olivine est la première à prendre cher. Elle pourra donner du quartz et de la rouille. Puis c'est l'augite, la hornblende, la biotite, etc. Ces minéraux qui s'altèrent facilement, on dit qu'ils sont labiles. Les autres sont malabiles. Non, c'est faux. Ils sont juste stables ou résistants à l'altération. Et parmi eux, il y a le mica, le feldspath et surtout... le quartz. C'est l'un des minéraux les plus stables qu'on connaisse, en plus d'être l'un des plus durs. Souvenez-vous, l'échelle de dureté, ta grosse concierge chouette d'amour, tout ça. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce qui fait qu'un minéral résiste ou pas à l'altération? Si, vous vous le demandez. Ça va dépendre de l'organisation du cristal. Si les atomes sont bien liés les uns aux autres, comme c'est le cas du quartz, le minéral ne craindra rien ou presque. Si au contraire les liaisons sont un peu lâches, comme chez l'olivine, alors l'eau pourra s'engouffrer dans le réseau cristallin et semer la zizanie, telle les fémènes au Sénat. D'ailleurs, ces minéraux-là, ça ne vous rappelle rien? C'est ceux du granit et des autres roches issues du refroidissement du magma. Et justement, quand une poche de magma refroidit pour se transformer en cailloux, c'est d'abord l'olivine qui apparaît quand le magma est chaud bouillant, puis l'augite, la hornblende, etc. et le quartz en dernier quand le magma est déjà bien refroidi. Donc, une fois en surface, le quartz sera plus stable parce que ça lui rappelle globalement ses conditions de formation, il n'est pas trop dépaysé. C'est un peu comme un sudiste expatrié à Paris, il va mourir de froid, il va se sentir très vite mal à moindre descente dans son sud ensoleillé. Un lyonnais y tiendra peut-être un peu plus longtemps à Paris, mais ça va quand même le transformer, qu'il le veuille ou non, quoi. Il finira par dire des trucs comme « Bonjour, comment vas-tu, chien ?» Ce concert de free jazz, il est vraiment sans sas. Alors qu'un Parisien de souche, il est bien, parce que c'est ce qu'il connaît depuis toujours, il a sa place. Donc, pour résumer, plus on attend, ou bien plus on s'éloigne de la roche-mère, c'est pareil, plus le sable qu'on trouve ressemblera à... ça. C'est pas ce que vous croyez. Ça, c'est du quartz pur. Parce qu'en fait, le reste des minéraux se sera fait dégrader, comme un cimetière juif dans le Bas-Rhin. C'est l'évolution naturelle des sables, en fait. Au bout de plusieurs milliers d'années, naturellement, tous les sables auront tendance à devenir du quartz pur. Donc, le quartz, c'est un peu le Raoul du futur. Et puis, un sable, c'est pas que des grains qui disparaissent. Il peut aussi y en avoir qui apparaissent. Eh oui, pensez aux coquillages. Pensez aux coquillages. On pense pas assez aux coquillages. Fermez les yeux. Respirez profondément. Visualisez un coquillage. La douceur de sa robe... ses stries régulières, ses couleurs chatoyantes, son regard méliflux, son fol espoir de se réincarner en maracas, le coquillage. Le coquillage se retrouve aussi dans le sable. Tant qu'il est broyé assez fin, ça passe, c'est considéré comme du sable. Du sable d'origine biogénique, du coup, c'est-à-dire qu'il a été fabriqué par un organisme vivant. Et c'est pareil pour les squelettes de poissons ou de plancton, entre autres organismes. Techniquement, c'est aussi des minéraux, des biominéraux même, et en l'occurrence de la calcite. C'est ce qu'on trouve principalement dans les sables coquillés. Sinon, autre exemple de sable d'origine biogène que j'aime particulièrement, c'est le poisson perroquet à bosse qui fait caca du sable. Lui, il grignote du corail mort, il le broie avec les dents qu'il a au fond de la gorge pour en extraire les algues microscopiques qu'il contient. Et comme il digère pas le corail, il le rejette par l'anus en un nuage de sable fin. Et c'est loin d'être anecdotique. Chaque poisson avale jusqu'à 5 tonnes de corail par an. Ah, on en apprend des choses ici, hein. On s'instruit en s'amusant. Et là vous vous dites « Oh mon dieu, il détruit les coraux, faudrait l'empêcher de nuire !» Non, figurez-vous en fait qu'il a un rôle écologique très important parce qu'il nettoie les récifs coralliens des cadavres pour que le corail neuf puisse s'installer à la place. Et en outre, le sable qu'il rejette aide à consolider et stabiliser le récif, mais aussi à alimenter les plages. Donc si un jour vous arpentez avec nonchalance une plage paradisiaque du Pacifique, souvenez-vous que ce sable blanc sous vos pieds est peut-être passé par l'anus d'un poisson perroquet à bosse. Maintenant, du coup, on peut regarder ce qu'il y a dans ce Raoul que j'ai ramassé à la plage à côté de chez moi. À l'œil, il est bien représentatif du sable standard. C'est un peu le produit de marque distributeur, alors que les sables fancy qu'on a vus au début, ça, c'est les versions de luxe. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! Comme prévu, ce sable contient du quartz en abondance, ainsi que des débris de coquillage, donc de la calcite. Il est vraiment magnifique. Et là, ce qui est... Pardon, je reviens. Vous connaissez Karl Popper's et Thomas C. Durand et Descartes? Allez-y, prenez-en une au hasard.
Désolée. Donc, maintenant qu'on sait qui est Raoul et quels sont ses réseaux cristallins, on va pouvoir voir pourquoi Raoul est un héros. Raoul est un héros parce qu'il nous permet de faire des tas de trucs, de ça à ça, en passant par ça, ça ou ça. Ça, fallait peut-être pas. Raoul est même la troisième ressource la plus exploitée sur Terre, après l'air, l'eau et les enfants au Bangladesh. Tellement exploitée qu'elle est même surexploitée. On en consomme trop par rapport à ce que les dieux de la géologie en produisent. Il faut plusieurs milliers d'années pour faire du bon Raoul. J'ai du bon Raoul dans ma raoulière. À l'échelle de la planète, on en consommerait 40 à 50 milliards de tonnes par an mélangées avec le gravier. Ça fait 18 kilos par jour et par personne, qui est le poids que je prends en moyenne pendant cette quarantaine. Il va me falloir une brouette pour me déplacer bientôt. Big up à tous les obèses. Ce qui consomme le plus de sable et de gravier, c'est le BTP pour fabriquer du béton et du ciment. D'ailleurs, la quantité de sable et de gravier extraite chaque année à ses fins pourrait nous permettre de construire un mur de 27 mètres de haut par 27 mètres de large tout le long de l'équateur. Puis, en deuxième, viennent les remblais maritimes. Ces îles artificielles à Dubaï, en toute simplicité par exemple, ont englouti au total plus de 750 millions de tonnes de Raoul. Et puis sinon, il y a Singapour, premier importateur et consommateur de sable au monde, qui a augmenté de 20% sa surface en 40 ans comme ça. Bon, ils ont tellement prélevé de sable en Indonésie qu'ils ont fait disparaître 24 îles au passage, mais bon, ça va. Il n'y a que des pauvres en Indonésie, ça compte pas vraiment. Homme de paille! Ah non, ça c'était une erreur fondamentale d'attribution. Ah ok. C'était pas un point Godwin? Non, ça c'est quand tu fais un strike au bowling. Ok. Ce Raoul, on le prélève dans le lit des rivières, au fond de la mer ou sur le littoral, ou alors on en extrait directement dans les carrières. Oui, parce que le sable du désert, il est pas adapté à la construction. Il est trop fin et trop rond, et c'est quand même plutôt ballot, parce que pour le coup, on en avait pas mal en réserve. Et évidemment, extraire des quantités aussi mirifiques de sable, bah ça a des conséquences sur l'environnement. Si vous prélevez du sable dans les rivières, il y en a moins qui arrivent jusqu'à la mer, et comme elle est gloutonne et qu'elle veut son lot de sédiments, et bah du coup, elle va aller grignoter les réserves de la plage et ça va l'éroder. Et puis, quand on extrait du sable, on remue la vase, on racle le fond, ça perturbe les êtres de vie qui dans les parages. Ça peut aussi déstabiliser les rivières qui peuvent se mettre à cruer plus souvent et plus violemment, en alternance avec des périodes de sécheresse beaucoup plus vénères qui peuvent aller jusqu'à l'assèchement total du cours d'eau. Bref, c'est pas franchement Guinness. Et les pays qui prennent le plus cher sont surtout en Asie, mais aussi en Afrique et un peu en Amérique du Sud. Du coup, on s'en fout. Dans un rapport de 2019, l'ONU a dit que ça serait bien de créer une gouvernance internationale des ressources en sable. Pour l'instant, c'est un peu le Far West quand même. Sans parler de l'extraction illégale, parce qu'on parle carrément de mafia du sable. La moitié du sable marocain aurait été prélevé illégalement sur leurs propres côtes pour construire des hôtels, des routes et d'autres trucs pour les touristes. Maroc, le pays qui voyage en vous. Pour épargner Raoul, l'ONU recommande d'économiser la ressource, donc de réfléchir à deux fois avant de faire une île à l'effigie de Stéphane Bern par exemple, de chercher des alternatives et de recycler le béton, l'asphalte, le verre. Voilà, ça c'était la touche écolo. Donc pour résumer, c'est quoi le sable? Le sable est ce qu'on appelle un milieu granulaire. Constitué de minéraux issus de l'érosion ou de l'altération d'une roche. Parmi ces minéraux, la plupart sont dissous dans l'eau ou transformés en d'autres minéraux, comme les argiles. Le seul qui résiste vraiment, c'est le quartz. Et c'est pour ça qu'on en trouvera en abondance dans notre Raoul. Raoul qui permet de faire des tas de trucs chouettos, de ça à ça en passant par ça. Ah non, pas ça. C'est pour ça que Raoul est un héros. Mais un héros à utiliser avec modération. Puisque Raoul est un héros, prenons soin de lui. Car c'est un héros. Notre Raoul. Quoi? Mais arrêtez de sonner chez nous, pas le sang bleu. Oh pardon, je suis absolument désolée. On frise le harcèlement là quand même. Bah du coup, vous aurez 5 minutes pour parler de géologie? Vous connaissez Claude Allègre? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne partez pas, j'ai des choses à vous dire. Si je vous ai offensé dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous venger en likant, en la commentant, partagez-la aussi pour que vos amis puissent à leur tour s'énerver, je crois que c'est comme ça que ça marche. Mon long silence sur cette chaîne s'explique par le fait duquel, par-devant moi, j'étais impliquée dans d'autres projets, du reste, comme le Vortex, sans doute, qui sortiront bientôt, je vous tiendrai au courant, de toute façon. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux cristallins. Humour. Et surtout, forte de mes 5 abonnés, j'ai décidé de me vouer corps et âme à cette chaîne, donc si tout va bien, les vidéos devraient sortir un peu plus souvent à partir de maintenant. Inch'Allah, comme dit mon boat people que j'ai recueilli lors d'un safari. Voilà, là c'est le moment où je vous raquette. Donc si jamais vous êtes momentanément trop riche parce que vous avez arrêté de consommer comme des porcs, n'hésitez pas à être généreux avec l'œuvre de charité de votre choix, sachant que la plus robustement bénéfique à ce jour, c'est évidemment moi. Passez donc sur mon Utip ou mon Tipeee que j'ai ouvert pour l'occasion. Merci pour moi. Et voilà, salut. Mettez un pouce bleu. Non, mais où
C'est une vidéo, j'espère. Oui, c'est une vidéo. C'est 30 secondes l'écran de fin, t'y es presque. 4 fromages.